in this Thanksgiving service, et en ce culte d'action de grâce, the Lord inspired me le Seigneur m'a inspiré to talk on this topic. M'enseigner sur ce thème. Don't forget where. N'oublie pas où. And how God visited. Et comment Dieu t'a visité. Amen. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Say neighbor. Les voisins. Don't forget. N'oublie pas where. Où. And how. Et comment God visited you. Dieu t'a visité. Help me preach to five people. Aide-moi à prêcher à 5 personnes. Don't forget. N'oublie pas. Where and how God visited you. Où et comment Dieu t'a visité. Turn your Bible to the book of 2 Timothy. Allons dans nos Bibles dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothy. 2 Timothée. Timothy. Timothy. Chapter 3. Chapitre 3. We're going to read verse 1 and 2. On va lire le verset 1 et 2. We're going to read other scriptures. Et d'autres écritures également. This know also that in the last days perilous times shall come. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Somebody say unthankful. They can use ingrat. Unthankful. Ingrat. If your life become unthankful, si ta vie devient ingrate, then alors, your spiritual tank can never be full. Ton réservoir spirituel ne sera jamais plein. Your thankfulness to God and to man will make your tank to be full. Que ton réservoir soit toujours plein. And your journey will be easy. Et ton voyage sera facile. You cannot run your car with an empty tank. Tu ne peux pas conduire un véhicule avec un réservoir vide. No matter how good that car may look like. Peu importe la beauté du véhicule. If the tank is not full, si le réservoir n'est pas plein, you might be going to tears. Tu pourrais aller à tears. Or to the airport. Ou à l'aéroport. Finally, finalement, you may stop at the toll gate. Tu vas t'arrêter là sur la voie. Can we read another scripture? Est-ce qu'on peut lire un autre passage? Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy 8 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy 8 18. This year, cette année, there are responsibilities. Il y a des responsabilités. That you need to take serious. Nous devons prendre au sérieux. For things to work for you. Pour que les choses fonctionnent. Don't live life anyhow. Ne mène pas ta vie n'importe comment. Make things happen. Il faut amener les choses à se produire. Intentionally. Intentionnellement. And you enjoy this year. Et tu vas te réjouir cette année. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deutéronome 8, 18. Thou shalt remember the Lord thy God. Tu te souviens de l'Éternel ton Dieu. For it's him that giveth him power. C'est lui qui te donnera la force. To create wealth, so that he will enforce the covenant that he made with your fathers upon you. Afin de faire aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Hebrews chapter 6 verse 10. Hébreux 6 verset 10. For God is not unjust. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. The good work and labor of love. Et l'amour. Which you have shown unto him. Que vous avez montré pour son. In that you minister to the saints and do minister to the saints. Et rendant encore des services aux saints. May the Lord bless the reading of his word. Et l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. One of the character of God. L'un des caractères de Dieu. That we should emulate the
this year, on va essayer d'avoir cette année, is that God, c'est que Dieu can never forget, ne peut pas oublier those who did something for him, ceux qui ont fait quelque chose pour lui.